Il take 289. Pour il take 289, mes abonnés, je reviens midi avec la tablette. Et la moutonnière des 5. Donc la caractéristique du téléphone. Voilà, vous voyez. Motorola avec une petite caméra ici et la lumière. Ici vous avez la tablette à 6000. On a la petite caméra ici, vous voyez. Vous voyez bien, voilà. 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 Ici, voilà, ici, voilà. Voilà, c'est assez. Ici, vous avez le petit bouton ici, là. Pour revenir au menu. Non, on peut fermer l'onglet. Et le menu ici. Et au menu, vous avez ça. On est sur la tablette. Et là, vous avez toutes les applications qui sont déjà préinstallées sur la tablette. Et les applications que vous installez. Sur celui-là, vous avez donc un petit peu de micro, je pense, mais pour dire ici, vous avez l'ensemble Motorola avec le petit truc, je sais pas, voilà, normal, tout l'appareil, téléphone, et la petite caméra. Ici derrière, vous avez la lampe. Voilà. Et ici là vous avez évidemment le téléphone. On déroule le téléphone et ici vous avez toutes les applications qui sont ici. La plupart des applications sont ici, voilà. Ici là, sur cette petite tablette, on va s'intéresser aux applications qui sont installées. Vous avez Google, Chrome, Gmail, Map, YouTube, Drive, Play Music, Play Film, Hangouts et Photo. Ici, vous avez la même chose. Vous avez YouTube, Gmail, calculatrice, fichiers et tous les autres. Voilà. Voilà, voilà, voilà pour la tablette. Vous avez l'appareil photo ici que vous pouvez prendre. Voilà, vous appuyez ici. Vous voyez la caméra ici. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. C'était E-Tech 299. Bon week-end.